Maintenant, je vais vous montrer ce que j'appelle l'équation d'une femme épanouie. Alors, l'équation d'une femme épanouie, c'est une équation que j'ai eu à mettre sur pied afin de pouvoir vous montrer quels sont les éléments que vous devez prendre en considération si réellement vous souhaitez être épanoui et surtout si vous souhaitez vous en sortir dans vos projets, notamment en entrepreneuriat. Alors, c'est une équation que je résume à V égale à M plus A. Alors, je vais expliquer chacune des inconnues. C'est que quand il dit équation, il y a des femmes qui disent que les mathématiques qu'on a fait, ça revient, même dans la vie. Non, il n'y a rien de compliqué. En fait, V, c'est la vie. Je mets V comme pour dire la vie. Et la vie n'a de sens que lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Ça veut dire, si vous vivez, vous n'êtes pas heureuse, c'est ça qui entraîne parfois des suicides. C'est ça qui entraîne parfois des personnes qui vivent de manière dépressive. Alors, pour être épanouie et heureuse dans ce qu'on fait, il y a deux choses qui doivent être réunies. La première chose, c'est le moi, que j'abrège là-bas par M. Le moi, pourquoi je mets le moi avant? Parce que vous ne pouvez pas aider les autres plus que vous-même d'abord. C'est très important. Je suis souvent des documentaires où vous voyez un entrepreneur dire non, si j'ai mis sur pied mon projet, c'est pour aider l'Afrique. Non, tu ne peux pas aider l'Afrique. Si tu n'arrives pas à t'aider, à te sauver toi-même, ce n'est pas possible. Donc, il y a d'abord le moi. Le moi prend en considération trois éléments. Le premier élément, c'est votre patrimoine génétique. Parce que chacune de vous ici a un patrimoine génétique qui provient de vos parents. Et ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous avez hérité de vos parents d'un patrimoine génétique qui représente 50% des trois éléments que je vais présenter tout à l'heure. Ça veut dire que de façon intrinsèque, il y a certains d'entre vous qui ont plus de prédisposition à réaliser certaines choses par rapport à d'autres à cause de ce patrimoine génétique ou grâce à ce patrimoine génétique. Et ça ne doit pas être un sujet où ça ne doit pas vous complexer. Donc ne vous dites pas comme l'autre peut faire ça, pourquoi moi aussi je ne peux pas? Non, il y a des personnes qui ont un patrimoine génétique qui les prédispose à beaucoup plus facilement faire certaines choses par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire, ça vous demande juste un peu plus d'entraînement. Mais vous ne pourriez pas faire ça aussi aisément qu'eux parce qu'ils ont un patrimoine génétique et vous n'avez pas le même. Vous aussi, vous avez d'autres aptitudes qu'eux, ils n'ont pas. Donc, premier élément, c'est le patrimoine génétique. Le deuxième élément, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi, qui n'est pas le même. Il y a certaines personnes qui ont eu à grandir avec leurs parents. D'autres personnes ont grandi dans des familles monoparentales. D'autres personnes ont grandi de façon, ont été adoptées. D'autres personnes ont grandi avec beaucoup de frustration, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans l'enfance. Certaines personnes ont eu à faire des études, d'autres non. D'autres ont pu continuer leurs études parce que peut-être leurs parents avaient les moyens. D'autres n'ont pas pu, malgré leurs compétences, parce que peut-être leurs parents ne pouvaient pas continuer de payer. En fait, tout ça, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi qui fait en sorte que vous n'êtes pas les mêmes, même si vous êtes des jumeaux homozygotes. Donc, l'environnement dans lequel vous grandissez, qui représente 25%, vous structure aussi en plus du patrimoine génétique. Et le dernier élément, ce sont les connaissances dont vous avez bénéficié. Vous n'avez pas lu les mêmes livres. Vous n'avez pas rencontré les mêmes personnes. Vous n'avez pas appris les mêmes choses. Ça fait donc en sorte que les connaissances qui représentent aussi 25%, pour un total de 100%, lorsqu'on prend le patrimoine génétique 50%, l'environnement 25% et puis vos connaissances 25%, c'est ça qui structure le moi que vous représentez aujourd'hui. Il y a certaines femmes qui aiment boire le champagne. Elles disent non, la bière, je ne bois pas. Ce n'est pas volontaire. Soit c'est l'environnement, soit, parfois c'est du snobisme aussi, qui provient aussi de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, n'essayez jamais de vous comparer aux autres sur le plan intrinsèque. Parce que ces trois éléments sont intimement liés à chacun de vous ou à chacune de vous, et ça ne peut pas se copier. Et directement, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait en sorte que chacune de vous a ses propres rêves. Chacune de vous a ses propres ambitions. Et juste après le moi, qu'est-ce qu'on a? On a le A qui représente les autres. Les autres, en fait, c'est tout ce qui gravite tout autour de vous. On a d'abord votre famille. Quand je dis famille, c'est d'abord dans le sens large du thème, avec vos parents, vos oncles, vos cousins et tout ce que cela comporte. Ensuite, on a la famille nucléaire qui représente vos enfants, votre partenaire. Et enfin, on a toutes les personnes qui gravitent autour de vous, que je vais appeler votre cercle d'influence, c'est-à-dire vos amis, c'est-à-dire vos collaborateurs, c'est-à-dire vos proches. Ça veut dire que pour avoir une vie harmonieuse, il faut, un, travailler sur le moi et vos objectifs, vos ambitions, vos rêves. Deux, mettre cela en harmonie avec les autres, c'est-à-dire votre famille globale, votre famille nucléaire et votre cercle d'influence.
Si vous n'arrivez pas à mettre ça en harmonie, vous ne pouvez pas être épanoui ou heureux. C'est impossible. Et ça me permet d'introduire directement le processus évolutif. Le processus évolutif me fait penser à une phrase que beaucoup de femmes aiment utiliser. Je veux être indépendante. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un. Je ne veux plus qu'il me donne son argent et me dicte ce que je dois faire. Je ne veux plus qu'il m'impose des règles à respecter parce qu'il me donne son argent. Je veux être indépendante. C'est trop amusant. La question que je vais vous poser, vous connaissez qui est indépendant? Qui? Vous connaissez quelqu'un dans ce monde qui est indépendant? En fait, personne n'est indépendant. Hein? Ça n'existe pas. Même le président des États-Unis n'est pas indépendant. La preuve, Twitter supprime ses posts tous les jours. Du président des États-Unis. Donc le président des États-Unis fait un tweet. Twitter supprime son tweet du président des États-Unis. Jusqu'à il se plaint sur Facebook. Non, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire. C'est un peu comme si au Cameroun, Mugabe fait un post sur Facebook. Vous connaissez Mugabe? Fait un post sur Facebook et puis on supprime son post. Et il va à la télé se plaindre que pourquoi vous supprimez mon post? Vous n'êtes pas, ce n'est pas normal. Il faut qu'on restructure la démocratie. Et que même lui n'est pas indépendant. Personne n'est indépendant. Ça n'existe pas. C'est un concept qu'on a créé pour enfumer même les gens, je vais dire. Il faut arrêter de dire que je vais être indépendante. Ça n'arrivera jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'arrivera jamais en vous présentant les étapes du processus évolutif. Alors, la première étape du processus évolutif, c'est la dépendance. C'est-à-dire que chacun de nous dépend forcément de quelqu'un à un moment de sa vie. Notamment lorsqu'on est encore tout petit. Et que quand vous êtes tout petit, vous dépendez de vos parents. Vous dépendez des personnes qui sont responsables de vous. C'est eux qui payent pour votre école. C'est eux qui vous nourrissent. C'est eux qui vous habillent. Vous vivez chez eux. C'est eux qui assument toutes vos charges. Donc, vous êtes dépendant d'eux. Ça, c'est la première étape. Après la dépendance, on passe à l'indépendance. En fait, l'indépendance commence même très tôt. Hein. L'indépendance commence à partir de l'âge de 3 ans. Et pour vérifier ça, si vous avez un enfant qui est à partir de 3 ans, faites une expérience. Vous allez vous rendre compte que quand vous partez, par exemple, pour laver l'enfant, il y a certaines tâches qu'il veut faire lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il veut prendre le gant et se frotter lui-même. Il veut mettre le savon sur sa tête lui-même. Il veut verser l'eau sur lui-même. En fait, il y a certaines tâches qu'il a envie de vouloir faire lui-même. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est tout petit, vous faites ça pour lui, donc il était dépendant de vous. Maintenant, à partir d'un certain moment, il se dit, mais pourquoi c'est toujours toi qui dois tout faire ça pour moi? Il faut aussi que moi aussi, efface moi-même. Et ça va en s'amplifiant jusqu'à arriver à un niveau pic, notamment au niveau de l'indépendance, de l'adolescence, où l'enfant devient fou. L'enfant devient totalement fou. Mon cœur dit, fou, c'est émotionnellement. L'enfant veut avoir sa chambre seule. L'enfant veut avoir son téléphone où il cause avec ses amis seuls. L'enfant veut sortir la nuit, faire ce qu'il veut seul. Quand l'enfant finit d'avoir le bac, il va aller fréquenter loin pour avoir sa chambre seule. Et que ses parents soient à Yaoundé, lui va aller fréquenter en Gaoundé, il va aller à Tchang, il va aller partout où il sera seul dans sa chambre. Il ne veut plus être avec ses parents. En fait, c'est la dépendance, c'est l'indépendance qui est en train de commencer. Mais en fait, c'est une indépendance qui est dans un mécanisme du rejet de la dépendance. Ça veut dire que je ne veux plus être avec vous. Je veux le jeu maintenant. C'est le jeu qui est mis en avant. Je veux m'affirmer, je veux aussi pouvoir dire quelque chose. Je veux avoir mon mot à dire sur ce que vous faites. Ou alors avoir mon propre point de vue. Là, nous sommes dans l'indépendance. Mais le problème, c'est que l'indépendance est limitée. Parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Et là, on l'a vu dans l'équation. Parce que dans l'équation, il y a le moi plus les autres. Et les autres entrent dans ce qu'on appelle l'interdépendance. L'interdépendance, ça signifie qu'on passe du je au nous. Ça signifie que je dois interagir avec les autres afin de pouvoir être plus heureux, moi. Parce qu'on ne pourrait pas être entrepreneur et vous vendez vos produits à vous-même. C'est-à-dire que si vous vendez un savon, il faut qu'il y ait des clients. Donc, il y a un vendeur, il y a un client. Donc, il faut l'interaction des deux pour que l'entreprise se développe. C'est ça qu'on appelle l'interdépendance. On va voir pourquoi il faut